Eh bien bonjour tout le monde, ici K2M aux commandes et aux commentaires. Justement sur une vidéo détente et totalement inutile sur Modern Warfare 2, c'est marqué jusqu'ici. Alors si je fais cette vidéo, c'est essentiellement un petit peu parce qu'on m'avait demandé de faire quelques vidéos sur Code 6, Modern Warfare 2 pour les intimes, n'est-ce pas? Et justement, je vais profiter de l'occasion puisque vous voyez sans doute, je suis niveau 70. Tout est débloqué et je vais passer le prestige tout de suite sous vos yeux ébahis. Allez, c'est parti. Donc en gros, le truc classique, à savoir qu'on passe un prestige, ben tout est réinitialisé, tout est remis à zéro. Et on va recommencer depuis le début. Donc vous pouvez également voir que bon, question ratio, je suis absolument un noob. Et oui, je suis un noob, je limite faire la noob attitude. Ce serait une idée à faire. Alors cette vidéo, je vais me ridiculiser, je vais être un parfait crétin et je vais également laisser les killcams jusqu'au bout et je vais, je crois même, si j'arrive au montage, intercaler les dernières images juste avant de mourir, de telle sorte que vous aurez un petit peu une synchro et aussi mettre en évidence que parfois, disons entre ce que je vois et ce que l'autre voit, il y a des petites nuances, enfin vous verrez. Peut-être qu'on aura de la chance. Donc ça, ce sera fait. Alors, par contre, si je suis le kill de fin, bon, je passerai. Hein. Il n'y aura pas de montage. Bref. Allez, on va y aller. Et maintenant, on va laisser essayer de trouver une partie. Donc, généralement, on est chanceux et ça arrive assez rapidement. Sinon, ben, faut attendre. Bon, comme vous voyez, on peut pas créer de classe. Et oui, les classes, normalement, c'est au niveau 4. Les défis, c'est au niveau 5. Et les bonus de série d'animation, c'est au niveau 10. Donc, normalement, je pense, disons, attendre. Je sais pas, soit j'attends le niveau 5, soit j'attends le niveau 10. Enfin, on verra. Allez, on est parti pour Scrapyard. Alors voyons, donc c'est une map qui est assez petite, généralement j'y vais en mode runner. Bon bien entendu, vu qu'on commence depuis le début, on a droit aux trois premières classes entre guillemets de base. En gros les trucs, enfin les classes déjà prêtes, qui sont dans mon grenadier, observateur et voilà. Ça. Donc on va y aller un observateur. On va essayer de faire un peu de kill. Bon, ça va. On déjà. Hein? Non, c'est là. Bon, j'essaie personnellement que je vais pas oublier de laisser les kill cam. Parce que l'habitude, on les passe tout de suite. Voilà, quelqu'un. Allez, première kill cam. Et on y retourne. Voilà ça. Ah. C'est un client. Missile prédateur allié en approche. Ah zut. Dommage. Ouais, j'ai un petit peu merdé au niveau des commandes. Voilà, ça commence bien, j'ai déjà passé un niveau. Là. Non. Pas de grenade. On va essayer de faire deux fois la même erreur. Alors voyons. Alors malheureusement je filme en 30 images par seconde, ce qui fait que d'habitude, comme c'est environ dans les 40, voire 60, j'ai quand même l'impression que quand je filme c'est un petit peu limité. Alors, où sont-ils? Ouais, alors vous verrez aussi que parfois. Aïe.
tuer tout de suite. Et on voit que parfois je vise extrêmement mal. Ça va pas se tenir. Et j'ai cuté. Oui, parfois c'est énervant le cut qui marche pas. Prédateur allié en approche. Je recharge. Notre drone est activé. Du monde. Dommage. En approche. Recharge. Notre drone est activé. Oh punaise. Ah là, je commence à faire un peu de paille. Ah si ça se trouve, il a envoyé la grenade plein dans les bijoux là. Ça fait penser une fois, j'avais vu une kill cam de fin où le gars avait tiré votre thunder à proximité bien dans les bijoux. C'est assez marrant. Ah. Bon j'ai pas filmé malheureusement. De toute façon c'est pas. Tango à terre. La solitude cam. Sept gagnants. Ah, ça c'est parce que je suis passé prestige 7. Bon, bah, on va débloquer les emblèmes tout de suite. Alors, où est-il ? Là, pour l'emblème, c'est celui-là.